Je m'appelle Louis, j'ai 21 ans et je suis étudiant en première année du programme Grande École du groupe ESC3, promotion 2017. Aujourd'hui, je vais participer aux 24 heures de la créativité. Quand on est arrivé dans l'arène, on ne savait pas du tout quel sujet on allait avoir. Notre mission à nous, les étudiants, c'était de créer un quartier d'endroit pour rendre la ville plus dynamique. C'était une simulation sur une journée, mais c'est un peu représentatif du futur qui attend certaines personnes qui étudient à l'ESC3. On était par groupe de 10. Donc il y avait des PGE, des IMBA et des design. Tout le monde a un vécu différent, donc tout le monde a des idées différentes. Ça s'est vu sur ce projet, à chaque fois que quelqu'un sortait une idée, on sentait plus ou moins son vécu derrière. C'est pour ça que le collectif, ça permet d'avancer et je pense qu'on est plus efficace quand on est en groupe. Les moments de détente, ils sont importants parce que déjà, ça permet aux gens d'échanger avec certaines personnes dont on ne pensait pas du tout parler 2 minutes avant. La bonne humeur, ça permet de créer des liens directs. Lorsqu'on rigole sur la même chose, et ben déjà, on partage quelque chose. Donc ça permet d'être plus détendu et je pense que plus on est détendu, plus on est créatif. Quand on a vu le soleil se lever, c'est là qu'on a réalisé qu'on n'avait pas dormi de la nuit. Tout le monde marchait un peu dans le vide, on voyait la fatigue sur le visage de tout le monde. Les gens râlaient pas, ils restaient souriants parce que aussi on a entretenu une ambiance bon enfant dans l'école tout en restant sérieux. Et donc ça a permis aux personnes de pas craquer le lendemain, de pas s'énerver pour des petits détails. Quand je suis venu dans le programme Grandes Écoles de Troyes, ce que je suis venu chercher, c'est justement ça, ce travaux de groupe où je dois essayer de m'intégrer à chaque fois des gens qu'on ne connaît pas forcément et qui n'ont pas du tout les mêmes compétences que nous. C'est important pour moi car ça a prouvé que on est les étudiants du même campus. On ne fait pas de distinction entre design, IMBA, envol ou PGE, ou prépa médical et social. Cet effet de groupe, il est important parce que c'est grâce à ça qu'on aura les meilleurs souvenirs à l'ESC3.